我は死を司る神タナトスである。死を与えてやる。Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super, et aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening à l'occasion de l'arrivée de Thanatos, hein, qui est le cinquième SS du jeu après Poséidon, Hadès, Athéna et Hypnos, hein, bah voilà, Thanatos pour ce mois d'août. Et donc le portail dure 2 semaines, je vais pas revenir en profondeur sur les skills du perso, on va peut-être vaguement parler quand même, mais c'est un personnage offensif essentiellement, hein, là où son frère Hypnos, lui, c'est plus un contrôle. Et Thanatos, il est beaucoup plus dans l'aspect offensif, c'est un personnage d'ailleurs aussi très passif au niveau du fonctionnement, du gameplay, hein. Bah en gros, il pose une marque au tout début, qui va après faire proc son passif, qui va plus ou moins one-shot le perso, hein, parce que c'est quand même... dès le niveau 1, c'est 1000% de dégâts physiques, hein, vous imaginez bien que ça va faire des dégâts. Et puis globalement, le reste de la game, bah il lance des AOE passivement, et puis vous pouvez choisir entre l'auto-attaque et l'attaque à 2. Et il a un système de fonctionnement sur base de stack de rage, hein, et puis quand sa jauge est remplie, balance des AOE avec le fameux skill 3. Je suis très très rapide sur l'explication, je sais que c'est pas très clair, mais je vais mettre dans la description le lien du talk show auquel j'ai participé hier chez Mitch, avec quelques invités, notamment des participants au Jamir, mais pas que. Et donc on a abordé de long en large la question de Thanatos, hein. Ici c'est une vidéo d'invocation, vous savez que j'aime pas mélanger invocation, explication, etc. Je ferai peut-être une vidéo pour revenir sur les skills du perso, je ne sais pas. Mais je pense qu'on a déjà assez bien abordé le sujet lors du talk show, qui sera donc, je rappelle, en description. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous pensez qu'il faut plus de clarification, je prendrai la peine de faire une autre vidéo là-dessus. Mais c'est pas un personnage extrêmement compliqué à aborder au niveau des skills. Et puis je pense, ce doit être la troisième fois que je le dis, mais je pense que les explications données pendant le talk show sont relativement exhaustives, on va dire ça comme ça. Bah du coup, sans plus tarder, on va passer à la séance de pool. Juste avant, je tiens à vous rappeler que le Lucky Cat est présent actuellement, donc si vous ne l'avez pas encore fait, bah la priorité absolue, c'est l'état donné au Lucky Cat, bien sûr. Donc si vous pensez que vous êtes proche d'un palier du Lucky Cat, voilà, moi je l'ai fini actuellement, mais si vous êtes proche d'un palier du Lucky Cat et que vous pensez pouvoir y arriver lors de la semaine, bah n'invoquez pas tout de suite, ou en tout cas, faites en sorte de pouvoir faire ce palier, c'est plus important que d'aller pool, hein. Bien sûr, le portail est là 2 semaines, je rappelle. Si jamais il y a des cash players parmi vous, hein, je rappelle, hein, vous le savez, que je suis en partenariat avec Amazon, l'Amazon App Store, et puis le système d'Amazon Coins, que vous connaissez peut-être, j'ai de toute façon une vidéo explicative complète qui sera elle aussi dans la description. Pour rappel, le système Amazon Coins, c'est quoi? Bah, tout simplement une monnaie virtuelle proposée par Amazon, qui vous permettra d'économiser, en tout cas d'amortir, hein, c'est plus judicieux comme terme, d'amortir, hein, vos dépenses sur Saint Seiya Awakening, si vous en faites, bien sûr. Je ne suis bien sûr pas là dans une optique de vous inciter à mettre de l'argent sur Saint Seiya Awakening, moi-même j'en mets un peu moins depuis quelques temps, hein, depuis 2-3 mois j'en mets beaucoup moins, mais j'en ai jamais mis beaucoup, mais en tout cas depuis 2-3 mois j'en mets vraiment quasi rien. Mais voilà, pour les cash players parmi vous qui sont toujours là, bah n'hésitez pas à passer par le lien, hein, qui sera dans la description. Pour ceux qui veulent une explication complète sur le sujet, bah comme je l'ai dit, il y a la vidéo complète explicative que j'ai réalisée il y a quelques mois là-dessus, qui sera dans la description. On est donc parti pour commencer cette séance d'invocation. Alors bien sûr, moi je vais invoquer pas mal lors de cette vidéo pour la seule et bonne raison, bah, que je suis en vidéo. Mais sinon, pour le commun des mortels, je vous recommanderais de vous limiter à un maximum 40 par jour. C'est plus judicieux, en tout cas vous gagnez plus de shards sur la longueur, c'est un SS quand même, donc c'est pas négligeable. Moi ce que je fais, c'est pas quelque chose que je recommanderais particulièrement d'invoquer tout d'un coup comme ça, mais encore une fois c'est pour la vidéo, et puis bon, je sais pas si je vais tout mettre, hein. J'ai 708 gemmes comme vous pouvez le constater, je sais pas si je vais mettre les 700. On va déjà voir comment la tendance annonce sur les 200-300 premiers pools, et puis après on verra bien où ça va nous mener. Bon, je ne m'inquiète pas sur la bannière, parce que de toute façon il y a toute la planète qui est en train d'invoquer, hein. Là il est midi 52 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc, d'accord, l'étoile n'apparaît pas, très bien. Il est midi 52 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc le portail vient d'arriver il n'y a même pas une heure, donc là c'est un peu la fête, hein. Il y a toute la planète qui est en train d'invoquer.
Alors, est-ce qu'on commence avec quelque chose ou pas du tout? Eh bien, on commence avec rien du tout, hein. 6 éclats quand même, ça c'est pas mal, hein, le fameux pack de ravitaillement que je prendrai juste après. C'est un pack que je trouve pas trop mal, hein, honnêtement, le pack de 10 gemmes à 2 balles, il est relativement sympa quand même. On continue. Deuxième multi-invocation. Alors, est-ce qu'on a quelque chose cette fois-ci? Faut jamais s'attendre. Radamonte. Radamonte. Je compte pas le monter. Radamonte 3 shards, c'est un peu moins par contre. Radamonte, je compte pas spécialement le monter. Donc, ça m'ennuie un petit peu. Mais bon, après, c'est toujours ça de prix. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurai. Bon, en 2030, quelque chose comme ça, j'aurai suffisamment de doublons pour avoir un Radamonte jouable. Mais c'est pas encore à l'ordre du jour, quoi. Mais ça fait plaisir d'avoir un S aussi rapidement, hein, quand même. Parce que les Todd Drop parlent pas en notre faveur, hein, de base. Deux éclats. Après la première multi, les éclats, ça tombe... ça dégringole, hein. Qu'est-ce qui se passe? On va pas non plus demander le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, comme on dit. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on n'a rien de plus. On va encore faire une multi sur Thanatos, et puis après, on va boucher de constellation. Parce que ça ne s'annonce pas... ça ne s'annonce plus très glorieux. On a eu un S. Il y a la fameuse légende, hein, comme quoi il faudrait invoquer sur la constellation du S qu'on a droppé. Donc on va peut-être aller invoquer sur la constellation de Radamonte. À 4 éclats, ça c'est déjà un petit peu mieux, hein, quand même. Sachant qu'un SS c'est 150, hein, alors qu'un S c'est 120. Ah, on a la constellation de Balron, de Rune, je savais pas, il me semble pas qu'elle était déjà là. Peut-être que je me trompe, je l'avais pas vu, je ne sais pas. Où est la constellation de Radamonte? Je crois que c'est un truc du... Ouais, non, ça c'est Mew. C'est étoile féroce divine, c'est ça, voilà. On va invoquer sur Radamonte. On va voir si la légende est vraie. Si la légende est vraie. Bon, on a déjà un S, hein, parmi ses premières invocations, donc on peut pas se plaindre du Todd Drop, hein, particulièrement. Pour le moment, ça va, on n'est pas encore inquiété, ce n'est que le début, de toute façon. Ouf, un éclat, ça c'est un petit peu moins bon, hein, quand même. C'est quand même beaucoup moins bon. On enchaîne. On enchaîne. Avec la multi suivante. Ah, on a un 4 étoiles quand même. On a un 4 étoiles. Un éclat. Ouh là là, Radamonte, il est pas sympa. On va encore faire une ou deux multi maximum ici. Et puis après, on va bouger. Pas sympa, Radamonte, avec moi. Tac, tac, tac. Ah, on a un S. On a Krishna. Yes, voilà. Ah, je vais... Je sais pas s'il y a quelque chose à dire, hein, là, c'est terrible. C'est terrible, je vais aller... on va invoquer sur Krishna, du coup, on va voir si la théorie est vraie, hein. Peut-être qu'en l'invoquant sur Krishna, on va avoir quelque chose, je ne sais pas. Ouais, en tout cas, Krishna, c'est pas ce que je recherche, hein, sur la bannière, hein, clairement. Krishna, c'est pas tellement le personnage que je souhaite avoir. On a Zelos de la Grenouille, incroyable. Ah, on a même plus de shard, ça y est, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Le jeu m'a dit non, il a plus envie. Il a plus envie de me donner des shards, ça y est. Ça va être embêtant, ça. Ça va être embêtant, hein, s'il me donne pas de shards. Incroyable multi. Bon, 3 éclats, ça va. Et c'est... En vrai, ça commence à devenir pas ouf, là. Ça commence doucement à devenir pas ouf du tout. Autant on a eu un S très rapidement sur les premières multi, autant là... C'est un peu le... C'est quoi ce nombre de Natchi du loup dans la multi? Il y a 5 Natchi dans la multi, Mais c'est dégueulasse, hein. Ces multis-là, elles sont vraiment dégueulasses, hein. C'est pas ouf du tout, hein. Je suis pas très heureux dans la vie, là. On va continuer, hein. On va continuer. Ah, un S. Le grand pop. Je fais un screen. Je fais un screen pour aller troller Nick plus tard. Hop là, voilà, le grand pop. Invoquant sur le... Bah, le grand pop, il a pas de constellation. Lui, par contre, on le chope sur l'horloge. Bah, invoquant sur l'horloge, tiens, la fameuse... Elle est où, l'horloge? Elle est pas tout en bas? L'horloge. Ah, voilà. On va invoquer sur l'horloge. On y va. L'horloge. Est-ce que l'horloge va nous porter chance à constellation? Il n'y a absolument rien du tout. C'est jamais, hein. C'est jamais. Ça va, on n'a pas un taux de S dégueulasse. Ah! Yes! Yes! Et voilà! Et voilà! Et voilà! Yes! Non, là, on peut pas se plaindre. Là, on peut pas se plaindre. On a vraiment eu beaucoup de chance. Hein. On peut pas se plaindre. Oh là 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 là. Là, on peut pas se plaindre. Hein.
Putain, il a un putain de strabisme, c'est abusé. Alors là, là, franchement, c'est braquage. Là, en réalité, c'est braquage. Là, en réalité, c'est braquage. C'est assez dingue. Ah non, là, je suis... Là, je suis content. Je suis vraiment content parce que j'avais peur, hein. Je voyais comment ça se... Comment ça partait, j'avais un peu peur, mais non, en vrai ça va, je suis bien sûr inscrit. Et en plus, il y a un Rémi à côté, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va faire un screen. Je suis content, là je m'en sors vraiment super bien de ce portail. On a mis combien, tiens? On a mis 130, quoi. C'est que dalle, hein. C'est vraiment que dalle, c'est abusé. On a vraiment énormément chaté, hein, là-dessus, c'est assez fou, quoi. C'est complètement taré. On va déjà récolter les trucs là. C'est complètement abusé. Hein. J'ai chaté comme un taré mental là. C'est complètement abusé. Hein. J'ai du mal à... j'ai du mal à y croire quand même. À quel point j'ai chaté là. C'est complètement déconné. Bon bah voilà. On va terminer cette vidéo là-dessus. Hein. Je suis très content du coup. C'est vraiment abusé quoi. 130 quoi. C'est que dalle. Bon bah je suis vraiment très très content. Bah voilà, on va terminer cette vidéo là-dessus, du coup, c'est un peu bizarre, hein, de dropper aussi vite, hein, mais je crois que vous voyez bien, je suis un peu décontenancé, mais on va pas s'en plaindre, bien sûr, mais pour la troisième fois, je vais essayer de terminer donc cette vidéo, bah je vous remercie d'avoir été présent là-dessus, et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Saints Awakening, ou sur Dokkan, et des lives qui arriveront de temps à autre, dès que j'ai l'occasion, et la motivation aussi. Bonne journée, bonne soirée, en fonction de quand vous voyez cette vidéo, et sur ce, à plus.